Yo les gars, c'est Stuntsy, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques astuces pour faire des crédits en ce début de fut. Juste avant, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. La première, c'est que je suis partenaire avec les dégâts 13000, donc lien en première ligne de la description. N'hésitez pas à les checker, c'est un vendeur sur Twitter. Vous pouvez bénéficier d'un code promo, en fait vous lui demandez, il le passe. Et si il passe, tout simplement, eh bien vous bénéficiez donc de ce code promo. Vous verrez avec lui, donc les gars, lien dans la description. La seconde chose, c'est un grand big up et un gros merci à mon frérot NahaDZN qui m'a tout simplement rendu un énorme service parce que mon graphiste n'était pas là, tout simplement, ne répondait pas. Du coup, c'est lui qui m'a fait la mini pour cette vidéo, j'en avais vraiment besoin. C'était urgent, donc voilà, merci frérot. Donc maintenant on peut commencer le sujet de la vidéo. C'est une technique d'achat-revente, donc pour que vous fassiez des crédits assez facilement. Donc déjà, oula, d'accord, je viens de vendre des petits joueurs. Voilà, regardez un petit peu mes ventes. Donc ne vous fiez pas d'Alessandrini, je suis en train de tester, c'est une autre technique, ça je suis en train de la tester. Voilà, c'est celle que je faisais l'année dernière. Donc voilà, je suis en train de la tester si elle marche encore cette année. Donc sinon ne vous fiez donc que aux non rares. Donc c'est une technique petit budget, je n'ai pas précisé. Donc voilà un peu toutes mes ventes. Et on va relister tout ça. Et que c'est simple, alors je vous mettrai peut-être des petites annotations si, voilà, comme ça au moins vous êtes vous voyez bien. Donc vous comprenez bien, donc 350 vous mettez à à 350 or. Et vous recherchez. Donc voilà, et vous prenez vraiment tous ceux qui sont dans un bon championnat et qui ont plutôt des bonnes stats. Toi t'es où? Bundesliga. Voilà. Non, on va pas le prendre. Lui par contre, la moyen déjà de plus le prendre, voilà. À prendre, qui on pourrait prendre d'autre? D'accord, donc on a pas beaucoup quand je fais ma vidéo, d'accord, c'est super, merci. Première ligue, excellent, ça c'est excellent, Capou. Ensuite. Il y aurait qui d'autre. Là, on n'a pas beaucoup là. Ah, Bérami, encore, excellent. Ça, c'est vraiment très très bien par contre. Cork, ça aussi, c'est bien. Et Tremel aussi à côté. Franchement, les gars, ils marchent tous en première ligue. Hein. Voilà, on va pas se mentir. La première ligue, ça marche très 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 bien. Toi, tu marches aussi, je le sais. Voilà. N'a pas forcément de liste, hein, les gars, aussi, je tiens à vous le dire, n'a pas forcément de liste. Dès que vous tombez sur quelqu'un qui est plutôt dans un bon championnat, qui a plutôt des bonnes stats, comme voilà, lui encore, il est là, eh bien, vous le prenez, voilà, c'est tout. Toi, t'es en... Ah merde, Bundesliga 2, dommage, il a des bonnes stats. Voilà, bon, on va s'arrêter là, voilà, parce que, bon, faut pas non plus faire trop long la démonstration. Voilà, on a 9 gains, donc on va aller prendre tout ça. Et là les gars, on va... alors moi, ça dépend des joueurs en fait. Ah merde. Alors, voilà, on va attribuer, envoyer tous les éléments au club. Voilà, donc je vais aller vider vite fait ma pile des transferts. On va prendre du coup ces trois là et j'irai relister les autres après. Donc, voilà, maintenant vous les vendez 300 plus cher. Et après, par exemple, si le joueur est vraiment très très bon, vous voyez qu'il est très utilisé comme Bérami, franchement, il peut être vraiment très utilisé, je pense. La moindre qui soit très utilisée, et eh bien vous les revendez un peu plus cher, genre 400-500 plus cher. Bon, là c'est un conné, voilà, on va pas se mentir, ça va pas se vendre plus de 300 plus cher, je pense. Donc ça va pas se vendre plus que 700 crédits. On a du Djuricic là aussi, non, là déjà plus moins, ça se vend un peu plus, mais voilà, je pense pas quand même. Donc on va quand même le laisser à 300 et lui aussi. Voilà, vous les relistez à 300 plus cher. Et honnêtement les gars, ça va monter. Alors certes, moi je suis parti d'une base de crédit. Allez, on va dire, j'ai commencé cette technique, j'avais commencé un peu avant, que j'avais vraiment zéro crédit sur l'appli web avant que le jeu sorte. Mais après quand le jeu est sorti, j'ai fait un pack j'ai packé un peu 2200 points FIFA. Et du coup après j'ai acheté des joueurs, j'ai fait des créations d'équipe. Et après, donc du coup, c'est à partir des 25000 crédits. Je suis parti de 25000 crédits. Mais voilà, je pense qu'elle peut vous monter facilement. Donc voilà, c'est une technique
qui est à mon avis très très abordable pour tout le monde, petit budget et qui rapporte pas mal en rapidement, sachant qu'en plus ça pas beaucoup, franchement vous n'avez pas beaucoup de concurrence sur les enchérissements. Quand vous enchérissez, il n'y a pas beaucoup de concurrence, hein, honnêtement, quelques fois, mais pas très très rarement quand même, on va pas se mentir. Le dernier c'était lui, alors toi, voilà, lui par contre Bérami, on peut le vendre un peu plus cher, on peut le vendre aller dans les, c'est une très bonne affaire ce qu'on a fait, on va le vendre, allez, 850 je pense, il partira, quand vous voyez vraiment que c'est des joueurs qui ont moyen d'être un peu plus utilisés. Toi par contre je t'avais acheté pour les créations d'équipe, donc j'ai plus besoin de toi. Quand vous voyez vraiment que c'est des joueurs comme ça qui peuvent être utilisés comme BPL, voilà, en fait je me répète les gars, désolé, mais voilà, c'est pour bien vous expliquer. Prenez des bons petits joueurs quand vous voyez que c'est des joueurs. Par exemple, Tremel, à mon avis, on peut le vendre 800. La moyen. Donc surtout les joueurs BPL. Surtout les joueurs BPL. Et puis bien sûr, si vous prenez un petit joueur non rare de BPVA par exemple qui est bon, bah, vous pouvez le revendre un peu plus cher que 300. Donc voilà les gars, je pense que voilà, je vous ai tout expliqué, je vous mettrai donc comme j'ai dit les petites annotations. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Stuntsy, ciao.